Qu'est-ce que c'est la ZAD? C'est plus facile de dire ce que c'est pas. La ZAD, ça n'est pas une communauté. La ZAD, ça n'est pas un groupe de personnes qui se met d'accord sur quoi que ce soit. La ZAD, ça n'est pas un projet de qui que ce soit. Ou bien, peut-être c'est le projet de certains, mais en tout cas, c'est pas un projet collectif. La ZAD, c'est pas un centre d'entraînement pour warriors virilistes. La ZAD, c'est pas une zone safe pour des filles. La ZAD, c'est pas un espace en dehors de la société. La ZAD, c'est pas un espace où on a mis à bas l'État. Ça serait vachement bien, mais ça voudrait dire que la notion de l'État, c'est vraiment que les flics et les juges, quoi. Et je crois quand on est arrivé au début du mouvement d'occupation, un peu à l'appel d'un certain nombre d'habitants de la ZAD qui trouvaient que les trucs qui se faisaient au niveau info, au niveau juridique, c'était nécessaire, mais c'était insuffisant. Il y a eu un appel à venir occuper pour aussi résister un peu plus concrètement sur le terrain. Ça fait une force qui est assez différente, quoi, de gens qui viennent. Non pas parce qu'il y a un projet de merde qui arrive chez eux et qui voit bien qu'ils se font avoir par un semblant de démocratie pour un truc qui leur parle pas, mais des gens qui viennent exprès pour lutter. Et nous, tu vois, on est venus avec une culture un peu plein d'entre nous de squatteurs, anarchistes ou communistes ou je sais pas quoi, là, mais avec des grandes idées politiques. Et du coup, ça fait un mélange assez incroyable de gens. Je pense que les trucs qu'on fait ici qui me marquent le plus, qui va avec l'idée d'être contre les murs de l'aéroport, c'est la gestion des conflits. Ici, on n'a pas de police. La police vient même plusieurs zones. On n'a pas de prison. On n'a pas de système judiciaire complètement classiste et horrible. Et c'est énormément de boulot. Mais des problèmes qui nous concernent, au lieu de les déléguer à l'État, on les gère nous-mêmes. Et ça, je trouve vraiment impressionnant. Moi, je pense que la ZAD a un rôle à jouer sur le plan politique parce que ici, on a le temps et le potentiel pour réinventer des outils politiques. Mais sur le plan écologique, etc., j'ai l'impression que c'est pas la chose la plus importante qui se passe ici. Se passer du nucléaire ou du pétrole. Il y a des gens qui le font sur la ZAD, mais c'est à petite échelle, et c'est pas en le faisant à petite échelle que ça va changer le monde, j'ai l'impression. Pour moi, il faut qu'on change les bases, les racines du système, en fait, et une de ces racines, c'est la hiérarchie et la décision verticale, et on est des humains tous très, très différents des uns des autres, on est ensemble, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut des chefs. Par exemple, quand on atterrit en garde à vue, pour des récup ou pour autre chose, les gendarmes demandent à chaque fois qui décide, qui prend les décisions. Ah ouais. Moi, avant de venir vivre sur la ZAD, du coup, je disais beaucoup des... Mais si, c'est possible de vivre sans l'État. On s'organiserait juste entre nous, en discutant, en conseil de quartier. Où je disais, oui, ça serait possible de vivre sans la justice et sans la prison. On n'aurait qu'à faire comme ci ou on n'aurait qu'à faire comme ça. Et puis, venir vivre là, et je crois que c'est pour ça que, sur le coup, j'ai du mal à en repartir, d'un coup, ça m'a fait me dire, tout ce que t'as toujours dit, tout ce que t'as toujours prôné, là, tu peux essayer. Vas-y, essaye pour voir. Ah, bah c'est bien galère. Vas-y, essaye pour voir. Alors, on peut faire sans la justice. Ok. On fait comment pour pas juger à l'emporte-pièce? On fait comment pour faire du cas par cas? On fait comment pour quand même avoir un peu l'impression d'être efficace? Ah, pourquoi on a besoin d'être efficace? On fait quoi des gens qu'on veut plus? L'autodéfense collective, ça voudrait dire virer des gens d'ici. Ok, mais on les vire où? Ils vont où? Ils font quoi? Ils viennent quoi? Ils répètent leur violence sur qui? Est-ce que ils finissent pas par un soir bourré défoncer un abribus et aller en tôle? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que du coup on fait pas une zone de privilégiés? De zones de gens qui ont jamais été soumis tellement à la violence qu'ils sont pas un pète au casque. Et puis plein de trucs comme ça, quoi. Mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant de venir essayer ce qu'on... Essayer et pas dire qu'on y arrive, quoi. On ne peut plus dire qu'il y a un bloc de squatteurs qui serait censé être autogestionnaire et anti-autoritaire et qui serait
à peu près sur les mêmes positions et un bloc de citoyennistes et d'associatifs qui sont plus habitués à un fonctionnement en bureau où ils font des élections et que c'est le conseil d'administration qui décide et tout. Mais c'est plus complexe, j'ai l'impression à l'intérieur de chaque bloc, on retrouve un peu toutes les positions. Mais c'est sûr qu'à plein de moments ça clash et qu'il y en a qui aimeraient bien que tout ressemble plus à ce dont ils rêvent. C'est ça qui fait une richesse qui, je pense, à la fois nous rend assez incontrôlables et incompréhensibles pour les autorités et à la fois fait en sorte que c'est pas un petit groupe qui fait s'organiser avec ses potes et qui sont tous d'accord entre eux. Je trouve que c'est un des trucs incroyables de ce qui se passe aussi. Et un des trucs fatigants qui fait qu'il y a plein de jours où tu te dis, mais franchement, dans cette merde, je vais me casser et tout ce que c'est créé. Peut-être tu veux être masqué, faire un masque. On est un ensemble de 200-300 personnes à vivre sur place. Les projets de maraîchage, les projets de céréales, les projets de boulangerie, fromagerie, etc. sont distribués de manière publique, ou pire, de manière affinitaire, mais en général, c'est soit le non-marché qui est un endroit où on vient, où les gens qui veulent. Ont besoin viennent se servir, soit des grands banquets, des grandes bouffes, etc. T'as pas de pression individuelle de devoir faire quelque chose en échange de quelque chose. C'est pas direct comme ça, quoi. Au niveau local, moi je pense que c'est vachement important qu'il y ait des espèces d'enclaves autonomes, alors peut-être pas aussi évidentes que les nôtres. Peut-être que quand t'as pas de fait 2000 hectares de disponibles, mais tu fais ça de manière plus cachée, etc. Mais c'est des réseaux qui existent déjà et je pense qu'il faut les rejoindre et les faire grossir, quoi. On va dire qu'une des raisons pour lesquelles je suis sur la ZAD, c'est parce que je me veux passer de l'autorité. C'est une tierce personne qui va décider pour toi comment tu dois te comporter et ce que tu dois faire et ce qui est entendable. Pour contrer l'autorité, c'est de se dire comment on fait pour donner le pouvoir, en fait. Lorsqu'on a du pouvoir, comme par exemple on a des informations que d'autres personnes n'ont pas et dont elles ont besoin pour pouvoir vivre, ou on a des compétences, ou on a des outils, ou on a des moyens type des bâtiments ou de l'électricité, ou réussir en tout cas à rendre ce pouvoir accessible à tout le monde et à ce qu'il y ait de la transmission de savoir. Du coup, ça se traduit dans le fonctionnement général. Chaque semaine, une réunion des habitants qui se déroule sur la ZAD tous les jeudis. Et dans ces réunions, souvent, il y a un débat qui se passe, et c'est important, en fait, que le débat, il existe. Mais des fois, il y a des envies que ça aille plus vite, et donc il y a des structures qui sont mises en place, comme la facilitation d'assemblée, avec des rôles et avec des temps qui sont accordés à chaque ordre du jour, à chaque point, qui fait que lorsque il y a un peu trop de débat, ben, des fois, il y a ce truc d'écourter, en fait, le débat et de dire « Stop, ça prend trop de temps, on n'est pas là pour ça ». On crée un nouveau rendez-vous dans quelques jours à une heure déterminée où on sait très bien que la plupart du temps, il n'y aura personne qui va s'y rendre et où du coup, il n'y aura plus le même débat que ce qui était en train de naître lors de cette réunion-là. Les groupes qui sont plus stables depuis un plus grand nombre d'années, ils ont un pouvoir supplémentaire en fait, parce qu'ils sont plus organisés simplement, ils ont vraiment cette capacité à faire un groupe, justement à plus être dans les réunions formelles, etc., qui fait que nous on a beaucoup moins, quoi. Et alors donc ils sentent une certaine légitimité à préférer prendre des décisions. Effectivement, on s'est un peu toujours renvoyé l'histoire des décisions collectives, que c'est, en fait il n'y a pas de décision collective absolue, ça n'existe jamais vraiment en fait, on est un peu toujours face à ça, quoi. Même quand on fait une réunion, nous, entre nous, pour un sujet précis, bah, quand t'arrives et que t'essaies au moment de dire ce qu'on veut, bah, c'est mal perçu parce que ça fait pas partie de ce que appelle le processus collectif, en fait. Et donc, on sait pas exactement ce qu'il faut dire pour être vraiment bien perçu là-dedans, parce qu'effectivement, on devrait être présent tout le temps, dans toutes les réunions qu'il y a trois fois par semaine, en vérité. Et puis, il y a des gens qui assument de réfléchir, ce que je critique pas tant, mais il y a des gens qui assument de réfléchir avec leurs potes ou les gens avec qui ils sont d'accord, à l'avenir, au présent, aux stratégies qu'ils veulent mettre en place. Mais du coup, c'est jamais des réflexions qui sont collectives. Du coup, là aussi, ça crée une avant-garde. Parce que ça crée des décalages entre des personnes qui ont des moyens en s'organisant ensemble, en se nourrissant de lecture, en ayant le niveau d'éducation qui le permet ou quoi. On voit que les classes sociales, elles se reproduisent. D'aller dire à des personnes
Quoi, mais tu vas pas aux AG? Mais c'est dommage, parce qu'aux AG, on s'organise pour pouvoir lutter pour la lutte. Je pense qu'il y a des gens, ça les ferait trop rire. C'est quoi, la lutte? Ah ouais, la lutte contre l'aéroport. Mais carrément, empêchons cet aéroport d'arriver, je sens que ma vie va être trop meilleure, quoi. Mais je crois que ce qui me fait vraiment marrer, c'est des fois des gens qui ont l'impression qu'il y a des parasites, des gens qui sont pas là pour lutter, quand en fait, c'est des personnes qui luttent au quotidien. Et c'est pas pour rien qu'ici, c'est confortable par rapport à d'autres lieux. Par exemple, ma maison, elle est confortable parce que tout petit, bah, t'as les réseaux, t'es là depuis longtemps, tu parles bien, tu passes bien devant un agriculteur, tu passes pas pour trop radical, t'es pas trop bourré quand tu leur parles. Du coup, tu peux te faire aider. Je pense que peut-être pour beaucoup de gens qui arrivent sur la zone, ils perçoivent pas qu'il y a eu des milliers d'heures de réunions pour arriver à constituer cette lutte et les gens qui décident de cultiver des patates ou d'organiser des rassemblements, qui font des camps autogérés, qui font des réunions pour soutenir d'autres luttes. Ou, on entend souvent des critiques comme quoi on pourrait reproduire un fonctionnement étatique avec des personnes qui décident le fonctionnement global. Je pense que justement, pour éviter qu'il y ait des prises de contrôle, il faut arriver à avoir des espaces où on se parle et de faire des réunions. Je vois pas trop d'autres solutions pour que les humains arrivent à vivre ensemble. Un des trucs qui a été très fort dans les grandes actions de ces 6-7 dernières années, là, ça a été de que quand on craint de se faire expulser, on dit on réoccupe, on va augmenter la pression en ville, ou on construit des trucs en dur. De se ménager un réseau de soutien local, de décloisonner les différents mondes politiques. Et pour moi, c'est vraiment une des clés du succès d'une lutte et aussi de pouvoir imaginer des choses pour l'avenir. Une des limites que je vois à la ZAD et aux autogestionnaires en général, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, tu vois. Genre, je fous rien, je reste chez moi, ou bien j'ai trop de projets et du coup, j'ai pas le temps de prendre mes responsabilités, et j'ai l'impression qu'il y a certainement un problème que des gens qui sont référents de trucs, ils ont une tendance à vouloir que ça se passe comme ils veulent, avoir du mal à céder de la place ou quoi, mais je pense qu'il y a aussi une grosse tendance qu'on a et qui vient pas de nulle part, tu vois, je sais pas, on est dans une société où plein de fois on vous a dit quoi faire, ou tu te poses pas souvent la question de comment les trucs se font. Il y a une grosse différence entre le rap et la réunion, c'est une réunion c'est très froid, parce qu'il y a des tours de parole, parce qu'il y a des trucs qui font que tu peux pas dire tout ce que t'as sur le cœur au moment où t'as envie de le dire et où t'as envie de dire à tout le monde, mais là vous dites n'importe quoi. Alors que le rap, ça se fait sur un coup de tête, quoi. Le ZAD Social Rap, c'est un atelier d'écriture qui a lieu tous les mardis. Et donc l'idée, c'est de faire de la musique à plein, quoi. Et de pouvoir rendre la possibilité d'enregistrer accessible à tous de manière gratuite. C'est aussi un endroit qui, en fait, permet de rassembler plein de gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres moyens d'expression que le rap. Ça sera pas un raz-de-marée de choisir entre l'apnée et le feu de détresse. OS, c'est tout ce qu'on nous laisse. Où est-ce qu'on oserait appeler à lutter contre la marée? Tu vois, il y a plein d'envies qui sont toutes leurs justifications et toutes leurs logiques, mais qui souvent concrètement éclatent. Il y a des gens qui trouvent la réunion jeudi, c'est génial parce que ça confronte plein de points de vue et tout. D'autres qui disent c'est nul, ça sert à rien, tu vois, on n'arrive jamais à prendre des décisions. Moi, c'est les gens que je fréquente, c'est les gens qui font des réunions, principalement. Et on a des agendas blindés, quoi. Si les charges collectives étaient mieux réparties, peut-être qu'on aurait plus le temps de se rencontrer, quoi. Dans le scénario pessimiste et qui, j'ai l'impression, se cristallise parfois, les gens qui font des réunions sont vus comme des bureaucrates autoritaires qui essayent de légiférer et de contrôler tout ce qui se passe sur la zone. Et les gens qui font pas de réunions sont perçus par des personnes qui ont besoin de formaliser des trucs comme des individualistes ultra-libéraux qui ne pensent qu'à leur petit confort et ne sont pas capables de faire des compromis pour vivre avec les autres. Et j'arrive pas à savoir si c'est une dose de friction incompressible et qui arrivera tout le temps, et puis voilà, au cas par cas, au jour le jour, on fait avec. Et puis
c'est à l'échelle des relations humaines, alors c'est comme ça la vie, et tant mieux. Ou si, petit à petit, ça creuse des blessures, ça crée de la défiance, et que ça creuse un fossé, en fait, entre des personnes qui ne se voient plus, justement, comme des individus, mais comme des incarnations d'une figure représentative, genre les paysans, les gens de l'Est, les bureaucrates, les apéistes, j'en sais rien, et qui du coup, en fait, trop de blessures, trop de défiance empêche la rencontre, et jusqu'au moment où en fait on ne s'en sort plus, quoi. Et où c'est la guerre. Vous écoutez Radio Klaxon. Résistance, radio et sabotage. Radio Klaxon, la radio de la lucha. Ça fait combien de temps que tu es zadiste? Moi j'ai envie de dire que j'aime pas trop les cases, et ni les définitions de... Tu vois, moi je suis un peu de tout. Je sais pas si je peux dire que je suis zadiste, quoi. Ça fait très longtemps que j'habite ici. En fait, est-ce que la plupart des gens, s'il y en a ici qui nous écoutent, est-ce qu'ils sont nomades, en fait? Parce que moi, je me posais cette question de pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont nomades. Déjà, la question, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, tout simplement? Ben, évidemment. Et je me demandais, du coup, si les gens ici étaient venus là uniquement parce qu'ils n'avaient pas de logement, ou uniquement vraiment pour défendre cet endroit, comme c'est pour ça qu'on est là? Bah, je pense les deux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de logement, parce que ça coûte peut-être trop cher ou quelque chose comme ça. Bah oui, mais ça se trouve, en fait, il y en a, ils sont là parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui sont là parce qu'ils ont envie de manifester, ils n'ont pas envie que ça pollue. Parce que là, et du coup, ils expulseraient même là où on est en train d'être. Et après, ouais, sur tous les ateliers qu'il y a, c'est à faire de la forge, à faire sa propre cabane en faisant de la récup, de couper du bois, de apprendre à grimper dans les arbres, de apprendre à faire du jardin médicinal. Tu te fous de ma gueule? Ouais, moi aussi, je me fous un peu de ta gueule. Parce que monter dans les arbres, pourquoi c'est un peu chelou, quoi. C'est-à-dire quand même ça peut être apprendre à faire de la radio, par exemple. Bah oui, mais en même temps, c'est bien. Ça peut être apprendre à faire de la mécanique sans payer un garagiste. Non, mais c'est juste grimper aux arbres, c'est ça qui me fait. Bah, c'est quand même bien comme moyen de défense, parce que c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal de chiens agressifs, hein. Je dois dire. Des chiens agressifs? Oui, agressifs, oui. J'ai bien dit agressifs. Pas... Non, moi, j'ai pas trop vu de chiens. En fait, à partir du moment où il y a un journal, combien de pourcents de ces parcs est maintenu par Dassault, juste à partir de là, moi, je collabore pas avec ce journal en répondant à leurs questions et en les accueillant, en fait. C'est juste mort de faire nos propres trucs, et il y a tout à fait moyen, en fait, les journalistes, de pas se soumettre à leurs questions, à leurs machins, de pas les laisser prendre les images qu'ils veulent et de les rediriger vers un contenu. Je trouve qu'on a plein de manières, en fait, d'échanger des choses qui sont peut-être ça sera en milliers de personnes et pas en millions, mais en fait, qui seront beaucoup plus marquantes, beaucoup plus... Je pense que le gouvernement... Toutes leurs opérations politiques, ils ont besoin de les légitimer, que ce soit l'expulsion de Calais, que ce soit la décision d'une nouvelle loi, ou que ce soit n'importe quoi, ou une expulsion de la ZAD. L'opinion publique sur laquelle repose la stratégie de légitimation gouvernementale, elle repose sur des millions de gens, et pas juste des centaines de milliers. C'est pas que tu dis, c'est on est là grâce au truc médiatique, mais on est là grâce au soutien. Et le soutien, il est réel, et c'est des vrais gens. C'est des vrais gens, soit qui sont venus, soit qui ont fait des dons, soit qui ont fait des choses. Et tous ces gens-là, en fait, une fois qu'ils sont dans un soutien actif, par exemple tout ce qui est les comités et tout, et que sinon on les redirige toujours cette redirection vers nos sources, nos sites, nos machins et tout, qu'on a mis en place, qu'on a fait du contenu, ces gens-là, c'est ça qu'ils vont voir, c'est ça qu'ils vont diffuser. Mais moi, je pense aussi que ce qui fait qu'on est en train de gagner là, c'est en bonne partie aussi qu'on a une stratégie de communication assez forte, et que ce serait hyper facile pour eux, en fait, de nous coller l'image qu'ils veulent, qui pourrait précéder d'une opération d'expulsion ou d'anéantissement de tout ce qui se fait ici. Si nous, on n'avait pas en même temps une espèce de force médiatique, quoi, qui passe aussi par les grands médias. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est le côté pragmatique et stratégique, quoi, de l'éthique. C'est un style. Oh,
aux gens. Je pense qu'on peut faire mieux que ça, en fait. Tu vois, on parle d'autonomie et tout. On est capable de construire nos maisons, on est capable de faire pousser notre bouffe, de réapprendre plein de choses, socialement aussi, de réinventer plein de choses, de manières de fonctionner. Pourquoi, au niveau de la com, ça on pourrait pas, en fait? Moi, par exemple, ça m'intéresserait de faire pousser des bois pour arriver à produire du bon bois d'œuvre, de chêne, par exemple. D'essayer d'avoir, de chercher que tes arbres ils poussent bien, que... Mais toi comme moi, on est toujours dans la perspective... Ouais, de production. Voilà. Ah ouais, mais ça va aussi qu'il y ait des endroits sans production. Ouais. J'aimerais avoir des bois, moi, ce serait pour voir des grands serviteurs revenir et des grands herbivores. Il n'y a pas besoin de gros bois, les cerfs, ils sont à 5 km d'ici. Oui, c'est ça, ils sont pas très loin, mais il ne faut pas grand-chose pour qu'ils reviennent. On essaye de se remettre à un statut d'humain parmi plein d'autres êtres vivants, qui va du ver de terre, du brin d'herbe à l'arbre, et en passant par le sanglier, et par ne pas faire disparaître cet imaginaire qu'il y a autre chose qui est possible que la civilisation, qu'il y a autre chose qui est possible qu'un système qu'on remet énormément en question, mais genre, très très radicalement, à la racine, quoi. Et ouais, je crois que les copains de l'Est, ils ont beaucoup peur de que cette image-là elle soit complètement effacée par le reste. C'est beaucoup assez nos ennemis. Il faut se battre contre eux. Et ils veulent faire une prise de pouvoir, ils veulent qu'on disparaisse. On doit se battre pour pas disparaître. Les gens qui participent à Copain, ils sont aussi divers que la ZAD Paulette entre les groupes différents. Mais je sais pas, les personnes de Copain qui sont visées, c'est plus l'entité Copain qui aurait une mainmise sur un certain pouvoir agricole et qui aurait, on imagine, comme objectif de récupérer les terres de la ZAD pour les remettre en culture et que ce soit pas juste des agriculteurs tirés sur le pavé par l'État, et que ce soit plutôt des agriculteurs de la lutte. Mais que du coup, en face de l'Est, qui veut récupérer ses terres pour que ce soit des forêts, et ben ça fait une étincelle. Il y a des gens qui veulent que la route soit circulante, comme une départementale, comme elle était avant, et puis il y en a qui veulent que ça reste très ralenti, histoire que justement tous les animaux, tous les gens puissent être en sécurité. On a du mal justement à les rassembler, quoi, à réussir à faire quelque chose... ensemble, parce qu'effectivement, c'est soit un des groupes, je veux dire, qui fait quelque chose, et puis l'autre, puis un autre groupe qui se reforme spontanément, et puis qui fait un autre truc, et puis ça va dans un sens, puis dans l'autre, quoi. Moi, je suis pas de la ZAD, mais je vois avant tout, tu vois, moi, j'ai été discuté avec des gens de qui servent de cette route, qui sont pas de la jeunesse, et bien, ils n'ont marre que, quand même, leur voiture soit calée abîmée dans le trou là-bas, ils en marrent un peu, ils ne peuvent pas passer par là. Ou... Il faut qu'ils participent aussi à l'entretien de ces trucs parce qu'ils sont intéressés. Et ça, c'est important qu'on avance là directement avec les gens qui servent de cette route-là, qui vivent là avant autour. C'est ceux-là qui doivent déterminer, puis qui doivent proposer une solution plus large, quoi, tu vois, là, ça, dans le truc des plutôt que des gens d'extérieur qui viennent proposer que ces routes redeviennent départementales à 90 à l'heure. Et ça, il faut qu'on arrive à avoir une position commune là-dessus. Ce qui est important, c'est que la ZAD vive avec les voisins, avec les gens qui habitent autour, parce que ça sera ça l'avenir de la ZAD. C'est eux qui comprendront qu'il faut aller à 30 à l'heure éventuellement sur la route là, pour nous protéger. Ils comprendront parce qu'on a des liens avec eux, mais ce n'est pas des gens qui sont en résidence secondaire là-bas à Blain ou à l'autre côté. Tu peux pas avoir la vision idéale de comment la route serait pour tout le monde, en fait, parce que tout le monde a une vision différente, une vision idéale, mais on peut essayer, voilà, simplement de se respecter les uns les autres. Ici, c'est une école, justement, de respect, de s'écouter, de vivre ensemble. C'est une école, mais dans l'école, quand on commence à rentrer à l'école, on n'est pas, on n'a pas de diplôme 15 ans après. On va pas régler tous les mal de la société à la ZAD, si tu veux, dans l'espace de 8 jours. Avec une personne ou avec quatre personnes, tu avances sur des trucs. Deux mois après, les gens ils sont partis, c'en est d'autres, tu recommences, voilà. Tout à zéro. C'est terrible ça. Parce que peut-être que l'esprit guerrier se transmet mieux et les rancœurs et tout ça se transmettent plus facilement que les petits points sur lesquels tu pourrais avancer aussi. Je sais pas des fois comment on fabrique notre histoire. Je vois beaucoup cette question de transmission, je m'en occupe beaucoup parce que ça, les gens ils bougent beaucoup et ils sont tout le temps nouveaux et du coup il faut tout le temps leur redire. Des principes de base de la vie, genre tu brûles du bois, du bois mouillé, tu brûles du bois sec, etc. Et il faut recommencer toute leur éducation de vivre dans la forêt. Ça prend vite tout seul, non?
Non, non, clairement pas. Ça brûle mal, le bois mouillé. Non, mais il y a des gens, ils ne se posent pas de questions. Et du coup, il faut refaire toute leur éducation. Alors, les éduquer politiquement et leur dire c'est quoi qui se passe. Et le gérer aussi, les trois pécores qui viennent d'arriver, qui viennent squatter la cabane et qui font que de la merde parce qu'ils ramènent plein de batteries et qui veulent poser du son ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Plein de trucs qui arrivent. En fait, on a beaucoup plus de problèmes sociaux entre nous. On a besoin de gérer tous les nouveaux arrivants qui font beaucoup. D'un autre côté, on n'a pas envie de gérer des gens. Enfin, pas du tout. Et je pense qu'il y a eu des blessures un peu de chaque côté. Et c'est peut-être des cumuls de blessures qui fait qu'à un moment, plus personne n'a vraiment envie d'avancer et puis qu'il n'y a plus de confiance. Quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu eu l'effort dans ce conflit-là d'aller comprendre en fait c'est qui l'autre personne, c'est quoi sa vie, c'est quoi ses enjeux, pourquoi elle se bat, c'est quoi qu'elle a dans les tripes. Et surtout, c'est quoi qu'elle fait bouger, en fait, dans sa vision. Pour se connaître, il faut quand même se rencontrer dans des endroits d'organisation. On peut parler justement de choses comme ça, qu'on fait là, à l'heure actuelle. Et c'est pas fréquent, quoi. Sauf que depuis un moment, je trouve que ça se fait plus facilement, moi. Pour voir qu'il y ait dedans les ondes de l'Est, il y a plusieurs composantes aussi. Il faut des endroits pour se rencontrer. Un paysan, il ne va pas aller faire du... Par exemple, il ne va pas aller à l'Est s'il n'a rien à y faire. Hein? C'est... Je viens pas ou... quand il ne viendra pas comme ça. Il va y aller parce que... Je m'embrouille. Non, pas parce qu'il va cultiver la terre. Parce qu'il y a une embrouille. ou une plantation à faire. Mais il va pas. Il peut y aller en se promenant parce que le paysan se promène aussi, hein, d'où les avec les chemins là de randonnée. Enfin voilà, ça il va y aller. Mais il peut aller aux champignons. Voilà, c'est moi mon premier. Mais si tu veux, je suis pas sûr. Il voit pas comment ça se passe parce qu'il va pas y retrouver. Il va pas s'y sentir à l'aise. Il va pas s'y sentir à l'aise, certainement, oui. Ouais, ouais. Alors qu'on essaye beaucoup d'être très ouvert, même si en fait notre radicalité fait qu'on n'est pas du tout ouvert. Mais n'importe qui peut venir et être accueilli pour un café, il n'y a aucun problème, dormir sur place. Ou... Même tout le monde est invité à faire ça. Moi je passe pas là-bas, mais j'ai pas de doute que si je passe à l'heure de bouffer, je vais me faire inviter à bouffer dans une cabane. Quoi. J'ai non, pas trop de doute là-dessus. En vrai, je comprends pourquoi tu viens comme pas ça, aussi. De même, on est. Ouais, après, moi, je devrais, en vrai, tu vois, je me sens vraiment pas fier de pas passer, c'est juste des emplois du temps trop gros, parce que j'ai joué à la débile de vouloir faire trop de trucs qui sont trop passionnants et machin, ce qui est la vie de plein de gens ici. Hey, c'est au niveau des cols. Si on suit la classe, En tout cas, une information qui est passée avec force, c'est l'information que ici, il y a beaucoup de gens différents qui s'organisent ensemble sur une zone qui reste ouverte au monde et que ici on a des projets ambitieux, beaux. Les gens qui veulent dire du bien de nous, ils disent du bien de nous, mais d'une façon qui nous intègre dans le monde capitaliste en disant c'est un truc agricole, c'est bio, c'est nana, ça va quoi. Sauf qu'on est dans la gratuité, dans le communisme, dans le rejet des institutions quand même, puisqu'on dit qu'on. Et mais c'est pas ça qui passe. C'est pas ça qui passe, ce truc de bah gratuité si, ça passe quand même, et de rejet des. Ça passe vraiment en second, troisième plan et ça tend à se faire carpette. Et tous les trucs sociaux qu'on crée et qu'on réinvente, ils n'ont pas intérêt à le mettre en avant, plutôt ça passe à la trappe en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas intérêt à le mettre en avant, moi je te le dis, c'est que juste on en parle peu quoi. Enfin, je pense que les médias ils seraient hyper contents de pouvoir transmettre des trucs comme ça, sauf que même en automédia, tu vois, comment tu transmets ça quoi. Je sais qu'effectivement pour faire du quelque chose qui est, comment dire, une vidéo qui est accessible et tout, effectivement c'est des sujets de fond qui sont un peu compliqués, mais en même temps c'est comme ça, moi c'est pour là que je suis ici quand même. Des sujets de fond dont comment dire, les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. J'arrive pas à bien l'expliquer. Sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Un rapport à l'existence, quoi, en fait, un rapport au vivant et tout ça, qui pour moi, en fait, sont pas juste des mots. Moi, ici, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre à manger des plantes sauvages et à me soigner avec. J'ai vécu dans des endroits, et je le fais encore, où voilà, je sais où elles sont, je vais les chercher, je les regarde, je vois les centres des animaux, je vois par où ils sont passés. Et toute cette sensibilité-là, par exemple, je l'ai développée ici. Et c'est quelque chose qui me semble important parce qu'en fait, si on est plein à avoir ça, on peut mieux voir les choses. Bon, là, du coup, je parlais plus du rapport à la nature que du rapport
au racisme ou au sexisme, mais en fait c'est pareil quoi, c'est une façon d'être et de vivre dans plein de petites choses. La question c'est de comment on le communique. Les jours de fête, les fusils sur nous dirigés contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Et voilà. Tous les gens qui pondent des théories, c'est des gens assis sur un siège, quoi. Parce que quand t'es dans la nature, tu vois bien qu'il y a... Déjà, il n'y a pas de vérité profonde, il n'y a que des exceptions. Tu vis pas dans la forêt, et tu vas faire des réunions et des réunions et des réunions. Tu vas aboutir au final, là, faut gérer la forêt, parce que ceci, parce que cela, quoi. Mais en fait, tu connais jamais tous les paramètres, la nature est beaucoup trop compliquée pour tout comprendre. L'évolution, c'est juste, s'il y a une maladie qui arrive, là, il y a l'anticorps qui va se faire, des arbres vont se faire, ils vont défendre. Il y a un papillon qui va arriver, bah, des trucs qui vont prendre plus de défense, et en fait, ça s'autogère. Du coup, si jamais tu as une maladie qui arrive et qu'on coupe tous les arbres pour la maladie, il n'y a aucun anticorps. Du coup, la maladie, elle va juste continuer, quoi. Du coup, il faudra peut-être faire les normes, écouter les normes et tout ça, et puis essayer d'apprendre par soi-même, en essayant, en faisant les choses, quoi. Le problème, c'est que le système dans lequel on vit, il fonctionne pas, il fonctionne sur l'assassinat de toute la planète et des gens, quoi. Et que la maison, elle est faite pour montrer qu'avec de la terre et du bois, c'est sous nos pieds, et qu'il n'y a pas besoin d'argent. Qu'on entend tout le temps, même dans les lieux alternatifs, on manque d'argent, donc sans argent, je ne fais pas ma cabane parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, cela. Et tout lieu ici, c'est fait sans argent. Quoi. C'est juste une question de savoir quoi, qu'on démotive tout le monde, mais tout le monde est capable de faire un trou, de creuser, tout le monde est capable de mélanger de la terre et de l'argile. Les gens de la zone non motorisée, c'était là, ouais, vous n'êtes pas cohérent, vous utilisez des tracteurs, du fioul, vous détruisez les terres, nanana. Les paysans, vous étaient là, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes pas capable de faire votre bouffe, nanana. Moi, je me suis dit à un moment, ça, c'est un point Godwin du débat sur la ZAD, c'est la cohérence. Du moment où tu commences à parler de cohérence et à renvoyer à l'autre personne qu'elle n'est pas cohérente, c'est fini, c'est même pas la peine de discuter, t'es dans un truc, j'ai pas de jugement, d'avoir fermé toutes les portes et tout. Je crois que plein de gens par là, et je dirais pas les gens de l'Est parce que ça m'existe vraiment, j'ai l'impression, mais il y avait un truc de pas chercher avoir une cohérence sur comment tu produis ta bouffe, mais de dire il y a de la récup, les poubelles du capitalisme débordent, il y a qu'à faire autre chose que juste produire de la bouffe. Moi, ça, c'est un truc que je peux comprendre. Enfin, mais parce qu'en fait, c'est pas plus cohérent côté paysan ou autonome parce que tu vis aussi du fil des machines. Enfin, tu vis dans un système qui est fait d'exploitation à tous les niveaux en fait. Tu vis là-dedans et la question de la transformation du truc. Est-ce que cette expérience-là, dans quel sens elle tire à transformer le monde, à le bouleverser, tout ça La cohérence est foireuse, je suis bien d'accord avec toi. Mais après, je pense tous, on cherche des trucs de sens. Pour moi, sens et cohérence, c'est pas pareil. Je crois que cohérence, ça fait comme s'il y a un cadre que tu dois respecter pour que ce soit bien, moral, éthique, je sais pas quoi et tout. Le sens, c'est un truc plus de... Je sais pas, d'être aspiré par des trucs qui te font bouger en fait, qui te poussent à bouger, à aller faire des choses et tout ça. La société dite civilisée s'est créée sur le sang des autres, quoi. On nous fait croire que c'est nous qui avons raison, que le salut de l'humanité viendra par cette morale qu'on nous inculte. La morale, c'est le même problème qu'on a sur Zone, quoi. Cette morale bien pensante, ce truc de nous, on sait c'est quoi la vérité, quoi. Et du coup, ouais, sur Zone, il y a vachement ce truc de le privé et politique est irréprochable, d'être politiquement parfait, quoi. Et en fait, à travers l'histoire, il y a eu peu d'espace-temps où les gens ont pu expérimenter là, de vivre complètement différemment, quoi. On ne peut pas vivre de façon complètement intègre sur la zone. On est obligé d'assumer qu'on a des paradoxes. C'est la base de beaucoup de problèmes sur zone, quoi. La solution, elle est comme ci ou elle est comme ça. L'être humain, il a tendance à croire qu'il a raison. C'est aussi pour ça que je suis sur la zone, c'est parce que je crois que l'aéroport c'est une connerie et que je crois que j'ai raison. Mais du coup c'est d'avoir un peu du recul par rapport à ces mécanismes psychologiques qu'on a. Du coup ça demande à chaque instant de se couper soi-même la tête, quoi.
d'essayer de supprimer le dictateur qu'on peut avoir tendance à être. Et enfin, j'ai réalisé que c'était un peu l'urgence principale de ce monde, quoi, que peut-être si on apprenait tous à prendre un peu moins de place dans le monde en général, peut-être on serait moins destructeur. Quoi. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai pas forcément raison, quoi. Enfin, j'ai des ambitions, etc., mais j'ai pas envie de les imposer aux autres. J'ai des convictions politiques qui sont en plus assez radicales. J'ai l'envie qu'un jour elles deviennent hégémoniques, ça c'est sûr. J'ai l'impression que on se porterait tous mieux si tout le monde pensait comme moi, à peu près. Mais pour arriver à cette hégémonie, j'ai pas envie d'utiliser l'action radicale en permanence. Oui, ce que j'aurais envie de devenir hégémonique, c'est que les gens s'auto-organisent. Et que ça nécessite deux choses. Ça nécessite d'imposer aux institutions de laisser la place à l'auto-organisation. Et du coup, pour moi, ça, c'est des trucs qui passent par l'action directe. Parce qu'on ne va pas convaincre les institutions que l'auto-organisation, c'est bien. On va leur arracher, on va leur imposer, on va perdre de force. Mais ça nécessite de convaincre dans la société que ça vaut le coup, en fait, de faire l'effort de s'impliquer dans une gestion collective de nos vies, de pas tout déléguer à une autorité sur laquelle on n'a pas de contrôle. Les gens qui sont ok pour déléguer, c'est souvent les gens les plus privilégiés, quoi. La question est comment faire vivre 7 milliards de gens sans pétrole? Mais il n'y a pas d'autre solution à la croissance que nous vivons. La décroissance, il n'y a pas d'autre solution. Mais ça ne s'applique pas. À la ZAD même, là où il y a le plus de création pour essayer de faire un autre monde, on n'y est pas arrivé, quoi. Ici, sur 1500, 2000, 3000 hectares, on avait tous les moyens de passer à la transition. Recréer tous les anciens corps de métier qui nous permettaient de vivre sans pétrole. Mais ça n'a pas été la volonté commune. Quant aux raisons, écoutez, ça devient compliqué. La diversité amène des problèmes un petit peu lourds. De tout ce que vous entendez à la ZAD, vous pouvez vous dire que c'est qu'une moitié de la ZAD. L'autre moitié, personne ne l'entend. Ici, on vit quelque chose de dur, c'est de vivre libre. Et du coup, quand t'es libre, t'es responsable de tes actes. Vivre avec les problèmes des autres et pas te cacher derrière des institutions. Toutes les choses qu'on crée, on les crée de façon super consciente. On connaît toutes nos étapes de fabrication. Et que pour faire des choses, y a des choses où on doit polluer. Et en fait, on en est conscient et ça nous ronge les ongles, là, mais... On est capable de se rendre compte de notre impact. Du coup, on est capable de se dire, ah là, on peut calmer, et c'est à nous de le faire, quoi. C'est pas la DDE qui va gérer autour de chez nous, quoi. C'est vraiment un sentiment agréable de pouvoir être autonome et de s'autogérer entre nous, de pas avoir une contrainte qu'on ne comprend pas. Et en fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était possible qu'il y ait des hélicoptères. Et s'il y en avait, je devais mettre une capuche ou une... Évidemment, parce qu'ils peuvent te prendre en photo, en vidéo. Alors, l'hélicoptère, c'est vrai qu'il passe régulièrement au-dessus de nous, malgré qu'effectivement, il n'y a plus de flics sur le terrain, mais c'est vrai qu'il passe quand même régulièrement en l'air. Et du coup, il... Ouais, et des drones aussi. C'est quoi des drones, en fait? Alors, les drones, c'est des... C'est comme une surface au milieu avec quatre bras et des hélices à chaque. Et puis ça sert à voir des vidéos de surveillance et tout. Donc en gros, En fait, c'est une caméra sur pattes un peu. Avec des ailes. Vol. Avec des ailes qui volent. Ouais. C'est marrant. C'est encore pire. C'est marrant. Après, quand c'est pour se faire surveiller et ficher, c'est pas hyper marrant. Parce que ça serait marrant qu'ils nous les passent, les images. Je suis sûr qu'on se marrerait bien à se voir nous-mêmes. Ce serait marrant que je me vois manger des cerises, quoi. Rendez-vous service, on est une voie de sécurité. Arrêtez de faire la piste, on sert déjà la...
comité du pays de Vannes contre l'aéroport. Ouais. Donc après, il va falloir qu'on dise et en soutien de la ZAD. Si les gens arrivent à vivre comme ça sur la zone et à s'entendre, enfin, à gérer tout ça, bah, c'est une projection de ce qui pourrait être une société à plus grande échelle. Moi, je ne crois pas au niveau d'une société complète, mais à un niveau local, sur une zone de gens qui seraient intéressés pour vivre comme ça, de laisser cette possibilité. Oui, mais ce que je veux dire, moi, je me projette à 100 ans en avant. Quoi. Enfin... Je pense que aussi un des atouts et une des raisons d'être défendu de la ZAD, c'est justement d'offrir à tout le monde une possibilité d'exister. Et chose qui n'est pas dans notre société. Tout de suite, les gens sont catalogués, ils sont enfermés, on essaye de les faire revenir dans le droit chemin. Je pense qu'effectivement, il y a une bienveillance sur la ZAD qui nous semble quelquefois incompréhensible qui est quand même à mettre au crédit de ce qui se passe sur la ZAD. Quoi. Il y a beaucoup de discrimination sur la ZAD. Je ne sais pas si tu es d'accord. Non ? Quel type de discrimination ? Bah, des gens quoi, qui te regardent de haut. Quoi. Oh, putain, t'es un alcoolique, toi. Oh, t'es un drogué, toi, t'es un hippie, oh, t'es un punk à chien. Tu vois ? Ou même, ça se trouve, nous, quoi, on regarde les autres aussi. Quoi. Tiens, oh, c'est un athéo, c'est un écolo... de la ville ou je sais pas toi. C'est là-dessus aussi qu'il faudrait qu'on travaille, qu'on change tous quoi. Qu'on s'accepte les uns et les autres quoi. Parce qu'ils savent ce que le parasite a vécu avant de venir à la ZAD quoi. La plupart ils ont vécu dans la rue quoi toi. Ils ont pas eu la chance d'avoir papa maman pour leur envoyer 500 € tous les mois toi. Ok quoi, ils sont peut-être noyés dans la drogue, certains d'autres dans l'alcool quoi. Toi. D'autres dans la psychiatrie quoi, ou je sais pas quoi toi. Mais c'est quand même des bonnes gens quoi. C'est ça aussi qui fait la beauté de la ZAD aussi. Parce que si on était tous pareils, quoi, tu vois. Si tous les lieux étaient pareils, quoi, boum boum, ça serait pas marrant, quoi. C'est ce qui met du piment, quoi. Je sais pas, si on vide, quoi, tu ouvres un squat, tout de suite, quoi, on vient te le fermer. Ici, quoi, tu vas faire une cabane, ou je sais pas, tu vas participer à des chantiers, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Ils peuvent faire quelque chose que la société leur interdit de faire. Quoi. Tout le monde arrive à se mélanger, quoi, à faire des choses ensemble, et c'est ça qui est beau. Quoi. Là, et rebraque sur moi maintenant. Poussez les gars. Malgré l'envie de déconstruire ce monde, malgré l'envie d'impliquer la ZAD et son monde, et ben on oublie souvent un certain monde qui est le monde le plus proche de nous, et qui est tous les potes qui galèrent, tous les potes qui sont alcooliques, qui sont dans des problématiques d'addictions diverses et variées, tous les potes qui sont dans les problématiques de violence, dans les problèmes, enfin voilà. En tout cas, je me battrai pour que ça ne devienne pas un espèce de parc touristique amélioré, joli et avec, enfin tu vois, une sorte de truc, un truc faux en tout cas, selon moi, de mon point de vue. Un truc qui pourrait devenir assez faux et assez moche, où du coup on essaierait d'éliminer plein de gens qui font tâche dans l'espace, dans le décor. Voilà, concrètement, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se fait pas directement, mais implicitement, depuis pas mal de temps, on sent venir des choses un peu comme ça. Il y a de la misère, c'est la vérité. Je veux dire, dans les pays hors France et en France aussi, en fait, il y a des bidonvilles. Il y a des gens qui vivent avec des cabanes en tôle, avec de la récup qui sont moches et qui sont polluantes. Et ça, c'est la vérité. Et en fait, sur ZAD, ça existe aussi. Et c'est comme... Tu vois, et les gens ils veulent pas le voir parce que tout comme ils veulent pas le voir ce qui se passe dans le tiers monde ou ce qui se passe à Calais ou ce qui se passe sous certains ponts en périphérie de pas mal de villes en ce moment, enfin ils veulent pas le voir. Mais en fait après et moi je préfère le revendiquer, dire si en fait ça existe plutôt que de le cacher et de montrer juste nos belles cabanes et nos trucs qu'on a bien réussi, montrer ça aussi. Une communication elle doit aussi elle sert un objectif ou des objectifs. Parce que la vérité, tu peux en montrer qu'une partie, et le choix de cette partie que tu montres, c'est un choix stratégique, politique, éthique. Mais ça reste... Moi, je trouve pas qu'on vive dans la misère. Non, mais on transcende un peu la conception de misère et de luxe ici, en fait. On a aussi certains luxes, paradoxalement, quoi.
Moi, je trouve c'est un luxe de pas être obligé de travailler, d'avoir prise sur mon temps, sur ma vie. Non, mais c'est pour ça que je disais contre ensemble, le luxe, c'est la misère. Bien. Moi, j'ai zéro, j'ai quotidiennement 0€ en poche. Mm. Et je me débrouille très bien en échangeant avec les gens, avec mes mains, en faisant des choses. Je m'en sors parfaitement, quoi. Et j'ai le temps pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Moi, l'intérêt d'ici, c'est que justement, ça touche à ce qui se passe ailleurs. L'intérêt de la ZAD, c'est que c'est pas très différent d'ailleurs. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, ah, dans un milieu politique comme celui-ci, qui est une espèce de gauche blanche écologique, ou écologiste, nanana, il n'y a pas beaucoup de différence, parce qu'il n'y a pas trop de remise en question de nous, qu'est-ce qu'on... En quoi on perpétue ce système ? La base, quand les gens viennent vivre sur la ZAD, elle est très rarement « Bon, je viens là pour tenter tout ce que j'ai toujours prôné. » La base, elle est souvent de dire « Bon, je viens là pour lutter contre l'État, etc. » Du coup, elle est rarement d'aller lutter contre soi-même. Du coup, on va souvent se resituer au même endroit, finalement, socialement, que l'endroit d'où on partait dans la société, quoi. Avec plus de moyens possibles, c'est sûr. Mais surtout pour que toutes les gens qui se trouvent inspirés ou que ça fait un symbole ici, ils se disent « Ah tiens, quand on a tout l'espace, quand on a le temps, quand on n'a pas les condés, quand on n'est pas obligé de travailler, eh ben ces trucs-là, ils se reproduisent quand même. » Et en fait, il n'y a toujours pas de solution. Ça veut dire qu'on a intérêt à être imaginatif, ça veut dire qu'on a intérêt à travailler là-dessus. Je me suis pointé ici à un moment, un peu par hasard, et j'y suis toujours, et en fait, je suis super content que... d'avoir pu trouver ma place ici et qu'il y ait des gens qui m'aient aidé à déconstruire toute ma putain de construction à la con et qui aient pris le temps avec moi pour ça. Et du coup, moi je trouve la ZAD, elle a du sens là-dedans, avant tout. Et pouvoir montrer que aussi on peut essayer de faire autrement. Donc ça inspire quoi. Ouais, sans vouloir être un modèle, mais en tout cas, sans vouloir calquer ce qui se passe ici, parce que je pense qu'il n'y a rien à calquer, mais il y a des idées à prendre. Je me sentirais pas... de dire ouais la ZAD c'est révolutionnaire quoi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de textes qui paraissent et qui sortent de cette zone qui je trouve assez exagéré, assez abusé et qui sont pas représentatifs de ce qui est ici. Pourquoi tu mets du temps avant d'aller à la ville des habitants? Parce que moi j'étais encore sur une petite échelle. C'est que j'étais dans le groupe de la zone non motorisée, et en fait on sortait très peu de la zone non motorisée. J'ai dû faire, en 2 ans, j'ai dû lire 3 ad news et faire 3 rues habitants, un truc comme ça. Et c'était très chouette, j'ai trouvé plein de trucs chouettes, je me suis déconstruit comme je pense j'aurais pas pu si j'avais fait tout ce truc-là en même temps, parce que ça m'aurait trop... j'aurais continué d'être ce que j'étais avant, un peu là, en mode petit homme blanc bourgeois, enfin pas bourgeois mais pas loin... qui du coup, dans sa classe de lycée, fait le fifou et pour lui, il a l'impression que c'est le début de la révolution. Bon, voilà. J'ai été très content de casser tout ça ici et de passer un truc plus concret. J'ai un peu remis en question mes croyances en la révolution, par exemple la révolution française. Bah ouais, on a coupé des têtes, mais en fait, on n'a pas coupé nos mentalités. C'est des gens qui sont venus d'un peu partout pour défendre la zone. Et recréer justement une communauté humaine à partir de pas grand chose. Enfin, ça fait une grosse remise en question de pas mal d'idéaux un peu abstraits et que quand on se confronte au concret, ben, on s'aperçoit qu'on fait pas tellement mieux que le reste du monde et que ce soit au niveau de nos modes de vie mais aussi au niveau de nos rapports sociaux. Ce que j'ai l'impression d'apprendre ici, c'est un peu l'humilité quoi. D'arrêter de prétendre qu'on a toutes les solutions pour le monde entier et peut-être déjà de faire ce qu'on peut et avant de tenir des grands discours comme tous les politiciens en tiennent quoi. Plutôt que d'encourager les gens à trouver que la ZAD c'est trop chouette, encourager les gens au fait que il y a de la pertinence à essayer des expériences collectives comme ça quoi. Ça n'aurait aucun intérêt de venir calquer. Et à plein de moments, moi, ce que je voudrais faire, je crois, c'est du lien entre des luttes pour qu'elles se soutiennent, qu'elles se comprennent et qu'elles se nourrissent des réussites et des galères des autres. Je pense qu'il y a des communautés où ils se le sont avoués, comme notamment, je pense, au Chiapas ou au Kurdistan, où les gens, pas pour faire exotique, mais il y a des meufs qui ont
et au Chiapas et au Kurdistan qui ont taffé vachement sur ces questions-là en disant en fait on va pas pouvoir se raconter qu'on vit ensemble et qu'on lutte contre l'État si on résout pas cette question de la justice. Et c'est de la justice et notamment des violences sexistes. Et ça, je trouve ça trop intéressant, quoi. Se dire, est-ce qu'on enferme des gens? Pourquoi? Sur quels critères? Est-ce qu'on réprime des gens? Au Chiapas, ils ont une logique de dire, à chaque fois, on va demander des réparations plutôt que de la punition. Et il y a une prison dans tout le Chiapas. C'est pas très gros, quoi. Au Kurdistan, elles ont d'autres pratiques. Mais elles ont des pratiques punitives, mais que je trouve assez marrantes. Par exemple, si un homme bat sa femme et que les gens sont au courant, son salaire lui est supprimé et il est donné à la meuf. C'est elle qui est les reines du fric. Alors en fait, la cabane féministe, il y a pas mal de personnes qui viennent pour justement s'organiser face à du sexisme et à des violences. Une copine par exemple qui arrive et qui nous demande si elle peut se poser ici et qu'on commence à reconnaître, à voir qu'elle vit un traumatisme. Déjà, on essaye de faire de l'écoute. On essaye de lui proposer des possibilités là, mais après c'est elle qui nous dit si ça lui convient ou pas. De puiser aussi les forces qu'elle a. Et nous, on propose d'autres choses aussi à travers ça. Un groupe antisexisme mixte. On propose à des gars 6-7 de réfléchir en fait à tout ce qui est privilège masculin, domination masculine, en règle générale dans les sociétés, et même dans la ZAD, ce que l'on vit. Sur Zone, il y a une blague qui dit « Tu vas finir dans un coffre ». Et en gros, c'est la menace par excellence qui dit que si tu fais un truc qui est pas bien, ou pas, qui ne suit pas le collectif ou qui dépasse les limites, si tu ouvres trop grand ta gueule, bah, tu vas finir dans un coffre. C'est pas vraiment drôle comme blague. Non. En fait, il y a des gens qui assument complètement. S'il faut en arriver à ça pour atteindre tel objectif, ben, on va en arriver à ça, et pas de problème. Et d'avoir un petit groupe qui prend la décision d'aller casser la gueule à quelqu'un et de dégager une personne de la zone. Je crois que c'est ça, un peu, c'est un peu tout le fond du problème de ces milices. C'est très dur d'avoir une réaction face à ça, puisque on ne sait pas qui fait ce genre de truc, quoi. Ben, on a des doutes, des rumeurs, mais des a priori, mais on peut pas se baser là-dessus, quoi. Ça, c'est arrivé, mais que c'est quand même pas notre mode par défaut. Qu'on essaye quand même de faire autre chose et qu'en fait, on se fait rattraper aussi, peut-être par tout ce qu'on ramène de l'extérieur, là, en arrivant ici, et qu'on n'a pas déconstruit, et qu'on n'a pas réfléchi, et qu'en fait, on réagit comme on sait réagir, et du coup, on punit. On condamne à l'emporte-pièce, on juge des gens sur à peu près rien, parce qu'en général, les gens qu'on juge, on les connaît pas. Donc, du coup, ça peut donner ces trucs de milice, mais ça peut donner aussi des processus chouettes avec des discussions en grand groupe. Il y en a une autre qui est sortie récemment. C'est quoi qui est pire que finir dans un coffre? Finir dans deux coffres. Voilà, mais ça, on n'en est pas encore. Voilà. Youpi, on est bien quand même. On est bien, ouais. On est bien. Heureusement qu'on a quitté le monde. Ouais. Alors, juste moi, j'aimerais dire quelque chose. Alors, du coup, vous pouvez gagner un ticket d'avion pour Hawaï et plus 1000 euros. Wow. Ah, si vous appelez au 07 53 38 06 60 10. Voilà. Tu vas jamais arriver. Si, si, il y a des gens qui vont appeler là juste. Tu peux dire c'est quoi ce numéro? C'est le numéro du. C'est le numéro du radio klaxon. Ouais, du radio klaxon. Quel enthousiasme! Merci. Ouais, ouais, bravo, bravo! On remet la pub! J'ai l'impression que c'est un endroit qui est perpétuellement en changement. Il y a la végétation qui décide beaucoup de choses.
Il y a le climat qui a beaucoup varié. En 2012-2013, c'était abominablement humide et depuis, on souffre plutôt de la sécheresse. Il y a les terres qui bougent. Par exemple, il y a une chose qu'on appelle la battance des terrains. Le niveau du sol qui monte et qui descend en fonction de l'eau qu'il y a dessous. Et comme ici c'est de l'argile, ça peut stocker énormément d'eau. Et il y a des terrains où le sol semble monter de presque un mètre par endroit. Entre parenthèses, s'ils veulent faire un aéroport ici, ça va poser problème. Et pour ce qui est de la temporalité, effectivement, tout change tout le temps. C'était une chose qui m'avait beaucoup éprouvé quand je travaillais. C'était que, été comme hiver, les heures que l'on vend à un patron sont les mêmes. Mais on n'a pas du tout le même tempérament l'été que l'hiver. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a. C'est là-dessous que nous vivons, le temps des marchands. Du temps qu'on peut découper en petits morceaux et vendre. Ça, plus j'y pense, plus je me dis que c'était une grosse erreur de découper notre temps. C'était comme découper nos vies. C'est une des choses qui m'empêche d'angoisser face à la mort, par exemple. Je me dis que de toute façon, je vis mon temps exactement comme si c'était l'éternité. J'aimerais bien que certaines personnes qui se donnent pour tâche de diriger les autres, elles pensent un peu à ça. Qu'en fait, il n'y a absolument pas besoin d'accélérer le temps ou le mouvement. Ce n'est pas utile du tout. Je crois que j'ai appris qu'on est vraiment très loin d'avoir trouvé un fonctionnement parfait. Vraiment très loin. Par contre, je trouve quand même que c'est un système beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lacunaire que l'alternative du système institutionnel. Quoi. Notamment parce qu'on a prise dessus. Il n'y a pas trop d'intermédiaires en fait, entre le sujet politique et l'organisation, et que du coup, il y a vraiment la possibilité de faire bouger les choses. Quoi. Aujourd'hui, je suis membre de la coordination des organisations opposantes. Je suis déléguée par un parti politique. Là, par exemple, c'est parti. Quoi. La démocratie, c'est un mot trop chouette, mais pour avoir justement vécu des assemblées, entre guillemets, pluripolitiques, tu vois bien qu'il y a des recherches de pouvoir d'abord, et que la démocratie, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire, vraiment. Après, croire en l'État, alors ça, c'est un vaste sujet que j'avoue, je ne l'ai pas remplacé par quelque chose d'autre, mais bon, je ne réévolutionne pas tout le monde dans ma tête. Hein. Déjà, d'avoir remis en cause l'autorité absolue de l'État, moi, je crois que quand je suis arrivée ici les premières fois, je me disais, mais quelle belle expérience démocratique. Quoi. Et, Vous avez fait pas mal un truc de « Ah, mais alors attends, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de démocratie ?» Ben oui, je sais que la ZAD, quand on a mis le mot « démocratie », c'est un mot... bip, bip, ici. Pas vraiment du bon plan. Moi, j'ai presque été démocrate à un moment dans ma vie. J'ai été élu, j'ai participé à des conseils municipaux, j'ai fait plein de choses comme ça, mais en fait, c'est suite à ça que je suis devenu anarchiste, parce que déjà, dans une AG, t'as vachement de reproduction de comment on cherche le pouvoir, comment nos égos, machin, tout ça. Moi, j'étais un truc de conseil municipal des jeunes d'une petite ville paumée. J'avais déjà ces trucs-là partout en face de moi et déjà des privilèges. Je me suis dit, en fait, si on... Plus tu continues, plus tu te retrouves avec des égos démesurés, plein de pouvoir et des privilèges. Dans le mot démocratie, c'est que pour moi, il fait partie de ces quelques mots comme ça en politique, je dirais, qui annulent la pensée. Effectivement, s'il y a un moment dans le débat politique, il y a quelqu'un qui te sort « Ouais, mais c'est pas démocratique. T'es pas démocratique ou c'est pas démocratique. » Tadam, t'as perdu, quoi. C'est très rarement questionné le fait que la démocratie, ça puisse être autre chose que l'expression de la majorité. C'est difficile d'aller questionner ce truc-là chez les gens parce que le terme de démocratie est entouré d'une aura tellement absolue, positive, c'est la recherche ultime du progrès.
Bon, j'ai pas mal étudié le Moyen-Âge ces derniers temps, et c'est vrai que tout ce qui s'est passé, tu vois, la disparition des terres communales et tout ça, c'est un peu le début de l'État tel qu'on le connaît en ce moment, quoi. Et en même temps, oui, je pense qu'il est relativement naturel. Si l'État, il existe, et c'est parce que c'est apparu à un moment donné comme une tentative de structuration nécessaire pour garder un niveau d'organisation et un niveau de vie et une sécurité vis-à-vis des menaces extérieures. De la même façon que sur la ZAD, on a construit aussi nos institutions, quoi. Le groupe des 12, la rue des habitants, l'AG du mouvement, le ZAD News. Mais en fait, je trouve ça super bizarre de dire que c'est naturel, enfin... Je veux dire, c'est oui, c'est naturel, de toute façon, tout qui existe est naturel, c'est pas sorti de nulle part, mais en fait... Faut voir comment il s'est mis en place, c'est pour ça que je te parlais du Moyen-Âge. Bon, il y a eu d'abord, on parle souvent des cathares ou des celtes, mais il y en a eu plein d'autres. Des communautés comme ça, de gens qui faisaient leur agriculture, mais aussi leur cueillette, leur truc, qui avaient leur fonctionnement à différentes échelles, qui fonctionnaient. Et ils se sont fait écraser les uns après les autres au profit d'un état plus central. Et... En fait, ça marchait sans. En fait, faut pas croire que. C'est pas parce que c'est l'État qui est resté jusqu'à aujourd'hui. L'histoire telle qui nous raconte, c'est. Bah, si l'État il est là, c'est parce que c'était le truc le mieux et que c'est resté parce que c'était le mieux, quoi, tu vois. C'est le truc qui a le mieux marché. Je dis pas que c'est le mieux. Hein. Alors que. Ouais, mais genre que c'est le truc qui a le mieux marché. Un peu comme les autres, ils étaient un peu trop barbares et tout, ça a pas marché, il y a que ça qui est resté, donc on fait avec ça. Alors que les autres, s'ils sont pas restés, c'est parce qu'ils se sont fait écraser par celui-là. C'est parce que c'est le plus agressif, le plus conquérant. Nous, là, notre état de merde qui a fait de la colonisation partout, qui s'est imposé. Dystopie de l'État, elle est peut-être pas pire que la dystopie de pas d'État du tout. Mais ça dépend dans quel temps, en fait. Effectivement, si tu l'enlèves du jour au lendemain, c'est un peu la merde. Oui. Mais en fait, pourquoi on n'a pas... Justement, il faut qu'on développe d'autres trucs. On va pas refaire comme d'anciennes civilisations. Enfin, ça n'a pas trop de sens non plus de dire on va faire exactement comme un tel ou un tel. Ça peut quand même être des sources d'inspiration. Et après, effectivement, c'était plus des petits organes en mode communautaire. Et après, avec des façons de lier ces organes pour avoir une plus grande échelle. Et en fait, c'est très peu resté dans l'histoire. On a l'impression que c'est pas possible. On a l'impression qu'on peut pas le faire. Bien sûr que si, on peut le faire. Et effectivement, on peut pas le faire en un claquement de doigts parce qu'on a trop de choses à réapprendre et à reconstruire. Mais c'est pas une raison pour dire que vaut mieux l'État que rien du tout. Par exemple, pas absurde aujourd'hui l'idée de faire de la politique en disant ben moi je vais aller dans l'État, je vais y participer et changer les choses de l'intérieur. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais par exemple, aujourd'hui j'en suis plus à me dire que ceux qui font ça c'est forcément des cons, quoi. Parce que je pense aussi qu'il y a des choses à jouer dans les institutions et que par exemple, si ta présence dans tel conseil régional ou je sais pas quoi, elle fait que tu vas pouvoir empêcher dans telle décision d'arriver, mais en fait ça va changer la vie de centaines de milliers de gens, de millions de gens, quoi. Et que ben en fait ça vaut quelque chose, par exemple. Tu vois, c'est un peu le principe de la cocotte minute, tu vois, là, qui chauffe. J'ai l'impression que les gens qui intègrent le truc, juste ils font un petit coup de vapeur pour pas que la cocotte elle pète, et qu'il faudrait peut-être juste la laisser péter, en fait. Ces postes-là, ils existent aussi. Et que c'est un moyen que de les occuper, que de pour avoir aussi une prise sur le monde, quoi. Après, le problème, pour moi, le grand problème, c'est pourquoi si je suis ici et pas là-bas, déjà, c'est parce que je me sens pas du tout de faire ça, que ça me plaît pas, que ça me donne pas envie. Je trouve ça pas désirable. Mais c'est aussi que faire ça, se faire élire ou je sais pas quoi, c'est le seul imaginaire. On a l'impression que tu veux changer le monde, ben, deviens président de la République, comme si c'était la seule voie possible, quoi. Thank you.
En lisant le rapport de la commission d'enquête suite à la mort de Rémi Fraisse, il est apparu que la ZAD, elle n'est finalement pas tant un danger que ça pour l'ordre public, mais plus pour la propriété privée. Et c'est en ça qu'on est aussi des... Voilà, que ce qui s'est fait ici dérange, en effet, via l'occupation, via le squat, qui aujourd'hui est extrêmement légitime quand on voit le nombre de personnes qui dorment dehors. Et après, il y en a qui nous traitent de djihadistes verts, mais c'est des détournements de sens, parce que est terroriste celui qui va contre les projets d'État, parce que le terrorisme, il est défini évidemment par l'État. C'est simplement pour occulter le fait qu'on a ici des idées à défendre et qu'on les défend, et que c'est des idées qui défient vraiment l'État, au final. Ce qui a été vraiment un point de rupture, c'est-à-dire la volonté du gouvernement en 2012 par l'opération César, de pousser les gens dehors, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je l'ai vécu, habitant près d'un paquet, vraiment pas très loin de la ZAD. Mes parents avaient des autocollants non à l'aéroport derrière leur voiture, qui amenaient leurs enfants à l'école, qui devaient contourner les fourgons de gendarmerie mobile qui étaient garés là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre d'habitants du coin sont dit non, le pouvoir abuse vraiment dans la manière dont ils cherchent à nous imposer ce projet. La ZAD n'est pas une zone de non-droit, dans le sens où n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi. Au contraire, il y a finalement beaucoup plus de respect d'un certain nombre de règles sur la ZAD que ce qu'on peut voir ailleurs. On s'affranchit un peu de cette notion de propriété. Beaucoup pensent, parce qu'ils sont propriétaires d'un endroit, ils peuvent y faire n'importe quoi. Depuis les expulsions, pas toute la France a dit... Ah oui, vous existez, c'est trop bien, et qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient à venir ici, qu'on est tellement focalisé sur ce qui se passe ici, que de un, on devient insupportable, et de deux, que je trouve qu'avant les expulsions, on était vachement sur l'offensive. S'il y avait des trucs qui avaient un lien dans la lutte contre l'aéroport et son monde, on allait les attaquer. Et que là, on fait plus ça, ou presque plus. Je trouve qu'on fait beaucoup de temps à attaquer les uns et les autres. Mais en général, on est un peu sur la défensive. Oui, on est sur l'offensive avec... on fait telle manif à tel moment que quelques personnes pensaient stratégique, mais on peut créer l'éco-village le plus parfait du monde. Mais si on n'a pas un coach de résistance, bah, dans l'histoire... Tous les endroits qui ressemblaient un peu à ici, dès qu'ils devenaient menaçants, ils se faisaient détruire. Donc la médiation, les trois médiateurs là, qui ont été nommés par le gouvernement pour 6 mois pour étudier le dossier, recevoir les différentes parties prenantes du conflit, comme ils disent, et avoir des experts et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est décidé par le gouvernement pour moi, pour gagner du temps et donner l'impression de faire quelque chose alors qu'ils ne savaient pas comment se sortir de ce problème. Parce que la réalité, c'est que bah, justement, depuis leur échec en 2012, quelque part ici, il y a un nœud qui ne peuvent pas défaire, parce que bah, on est déterminés à rester, clairement, et on n'est pas isolés surtout. C'est pas que l'histoire des gens qui habitent ici, c'est celle de tout le mouvement, quoi. Et que ça leur fait peur, en fait. C'est pas qu'ils vont devoir affronter quelques personnes dans des champs, c'est qu'ils vont devoir affronter des milliers ou des dizaines de milliers de personnes ici, en ville, ailleurs en France, et sous plein de formes, quoi. Non, c'est les médiateurs, c'est la parole des médiateurs. Oui, c'est ça, c'est les extraits du rapport. Ouais. Et que ça, c'est une parole qui est récurrente, quoi, de dire il y a les bons et les mauvais zadistes. Cette tentative-là de stigmatisation, elle a juste pas de sens. Et en fait, ici, il n'y a pas d'un côté les néo-ruraux, de l'autre les ultra-violents. Il y a, je sais pas, une grande diversité de personnes qui a envie de continuer à vivre et lutter ensemble et qui arrivent à faire un front commun, en fait. Et c'est ça qui leur fait peur, de mettre dans des cases, enfin prétendre mettre dans des cases, c'est toujours pratique pour diviser et puis pour simplifier des choses qui sont bien plus complexes que ça. Et... Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de chemin qui va vers la légalisation, le Larzac, enfin, qui aurait, il faudrait qu'on aille vers une forme juridique légale, acceptable. Tout à fait possible que tout ce qu'il y a de l'esprit un peu hors norme, hors cadre, tout ça, se soit balayé par une volonté de rentrer dans la norme. Alors les arguments qu'on entend, c'est pour que ce soit périn, pour qu'on puisse ici organiser des choses sur l'avenir, etc. Revenir à l'état de droit, moi ça me fait doucement marrer, parce que ici le droit, en fait,
C'est-à-dire la façon dont on interagit les uns envers les autres dans ce modèle social, et ben, ces usages-là sont discutés, sont remis en question quotidiennement et vraiment à l'épreuve de la réalité. Et pour moi, on est dans une zone de plein droit et pas dans une zone de non-droit. Parce que effectivement, en s'organisant depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans police, sans justice, sans maton et sans psy, en fait, ben, effectivement, on se confronte à des questions et à des problèmes très compliqués à gérer. Mais c'est effectivement le sel de ce qu'on fait ici, c'est d'arriver à penser collectivement l'organisation de nos vies. C'est la grosse question qui est la plus difficile, quoi. C'est jusqu'à quel point on peut faire des compromis avec l'État et accepter certaines des règles. Moi, je me pose la question inverse, c'est à quel point ce qu'on fait et ce qu'on pratique ici, on arrivera à le faire perdurer, quoi. Et notamment une gestion collective d'un espace. Et c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'entre maintenant et la fin de l'année, là, on n'ait pas perdu des choses qui nous paraissent très précieuses. Je sais pas. Je trouve qu'ils auraient pu espérer peut-être que la médiation, en fait, crée une division dans le mouvement. Je pense qu'elle pose plein de questions et elle sème plein d'embûches, mais ou elle révèle plein d'embûches qui étaient déjà là, parce qu'on n'a pas tous les mêmes visions. Mais elle n'a pas créé une division, quoi. En tout cas, on s'est attelé à ce que ça ne nous divise pas de façon irréversible, quoi. C'est pas des idées en l'air, c'est que c'est... Maintenant, on en discute concrètement de la voirie, des détails techniques, des conflits d'usage, des... Un piège, on tombe pas forcément dedans. Mais quand il y a un gros piège, il faut se méfier, quand même. Bah, voilà. Bien sûr. Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc dangereux, gros piège, qui a fonctionné des milliers de fois, avec plein de formes différentes, vachement polymorphes, enfin... Vraiment gros piège, quoi. Il me paraît hyper important, en tout cas, de pas laisser l'État remettre le nez là-dedans. On sera sans doute obligé de passer par là sur le fait d'accepter un cadre dans lequel on pourra faire. Oui, je crois que ça, c'est vraiment la détermination du mouvement en tant que tel. Il faudra continuer à lutter pour que ce territoire ne soit pas aménagé. Par contre, il y a plein de gens qui créent une structure et qui font ce qu'ils veulent à l'intérieur. La loi, elle fait pas tout dans notre société, quoi. Il y a des gens qui vivent un peu comme un caprice, en fait. La volonté affichée de certaines personnes de rien vouloir faire avec l'État, d'imposer en fait à tout le monde de vivre avec cette menace permanente, ça fait 10 ans pour certains que l'on se batte, voire plus. Il y a la possibilité de bénéficier du rapport de force qu'on a maintenant pour arracher à l'État la garantie légale de jamais être expulsé. À l'intérieur de ce territoire dont on n'est pas expulsable, on a plein d'énergie pour se battre pour d'autres trucs ou contre d'autres trucs, notamment pour une autonomie, pour pas laisser des contrôleurs d'hygiène venir, pas laisser des flics venir, pas laisser les services sociaux venir, enfin en fait, tout un tas d'institutions qui contrôlent bien d'autres choses que simplement le fait d'habiter quelque part. Janvier, donc à l'abandon de l'aéroport, le rapport de force a changé, l'aéroport a été abandonné. On a perdu beaucoup de soutien parce que plein de gens ils luttaient contre l'aéroport, mais finalement pas tant contre le monde qui va avec. Le mouvement pas unanime qui a décidé que la route devait être réouverte, et pour assurer que les travaux se passent dans des conditions telles que la préfecture et le conseil départemental trouvent ça génial, et ben il y a des gendarmes, quoi. Il y a des gendarmes qui sont là pour protéger les machines, enfin s'assurer que ça se passe bien, mais en même temps faire un travail de fichage, en même temps mettre la pression sur zone et reprendre leurs marques et préparer éventuellement les expulsions à venir, quoi. Je pense pas qu'il serait venu. Moi j'en suis persuadé. C'est certain. Moi je pense pas qu'il serait venu si on s'était tenu en fait entre composants. Ah oui, mais on se serait temps, pas tenu. Oui, mais tu vois, c'est ça en fait. Pour moi, il y a une sorte de mépris en fait. Non, c'est pas du mépris. C'est tu peux pas dire ça se serait passé comme ça si, mais un truc qui est impossible, quoi. Mais c'est sûr qu'on ne se serait pas tenus ensemble, c'est sûr. Mais pourquoi pas? Bah parce que la CIPA, copain, tout le monde avait dit, en fait, on va pas... Cette route, déjà, comment elle était, les gens n'étaient pas contents, ils voulaient qu'elle soit circulante. Du coup, une fois le projet d'aéroport, faut pas croire que les gens auraient dit, bah en fait, ouais, on va garder les chicanes et tout. Mais pour moi, c'est deux choses différentes de dire,
ça va pas se passer, et en fait on va pas accepter le délai de la préf, on va se donner 2 semaines, 3 semaines, un certain temps en tout cas, pour voir comment ça peut se passer au mieux et faire pression pour avoir les garanties qu'on veut, parce qu'on veut pas qu'elle soit rendue à 90 km/h. Et en fait, pour moi, il y avait une sorte de mépris à se dire, en fait, si vous acceptez pas nos conditions, les conditions qui sont les conditions qui nous imposent la préf, et ben on se casse, tu vois. Et en fait, si ça avait été le mouvement qui était allé dire on veut pas que ça se passe comme ça, mais on veut que vous fassiez ça proprement, avec des garanties que les fossés soient pas curés jusqu'à l'argile, que ça soit l'année qui passe, que ça soit pas défoncé sur un mètre du bord, etc. Je pense que les flics ils seraient pas venus en fait, enfin, ils auraient jamais voulu faire face au mouvement uni. Eux, pour eux, ils s'en foutent en fait, ils vivent pas sur cette route, ils ont pas l'engagement émotionnel que nous on a avec elle. Tu vois les enjeux locaux quoi, et qui là sont pas, qui ont rien à voir avec la préfecture. Qui sont les enjeux juste de lien avec le voisinage, de rapport au voisinage. Et du coup, forcément, après, t'as une assemblée où t'as des composantes qui arrivent qui disent en fait, ça c'est notre position commune, et quand t'as, c'est sûr, quand t'as le copain, la CIPA et la cohorte qui arrivent en disant, ben ça, nous, c'est ce qu'on porte, et ben ça représente vraiment beaucoup de monde aussi, quoi. Forcément, tu vois, les paroles là, qui seront dites individuellement, elles ont pas le même poids, quoi. D'accord, hein, l'aéroport c'est fini, on n'en parle plus. Hein, donc aujourd'hui, il faut absolument ouvrir la route dans de bonnes conditions de sécurité. Bonjour, ça va ? Le gouvernement, il attend qu'une chose. Il attend que, tu vois, des gens exclus d'autres, tout ça. C'est la seule fois pour faire leur aéroport, c'est de diviser. Ils savent qu'ils ne peuvent pas la faire autrement. C'est pour ça que c'est important pour nous. Si on reste tous ensemble, eh bien, ça sera plus facile à régler les conflits que si on évase une partie de la machine. Parce qu'on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui. C'est des gens qui ont combattu avec nous, qui ont fait des trucs avec nous. Si aujourd'hui, les gens, soit les paysans sur la ZAD, ou soit les gens qui ont fait des projets depuis, puissent rester aujourd'hui ici, le projet est annulé, ça sera aussi grâce à ces gens-là. Ce que la France a de plus vénère en force anti-émeute, avant d'envoyer l'armée, et du coup, ils nous ont envoyé ça pour des fossés, quoi. Du coup, vous inquiétez pas, l'état de droit est rétabli à Notre-Dame-des-Landes. La garde républicaine intervient pour le débroussaillage. À partir du moment où tu laisses la police exister à l'endroit, et va y venir, en fait. En fait, ils sont partout sur zone maintenant, ils sont pas juste sur la 281. Et les gens, ils font rien non plus, là, quand ils passent à Bellevue ou à d'autres endroits, en fait. Bah, parce que juste personne ne veut faire déclencher des meutes. C'est ça qui empêche qu'on fasse partir la police. La police, elle veut toujours faire des trucs pourris, c'est normal. Nous, notre taf, c'est de l'empêcher de le faire. Ouais. Mais bon, n'hésitez pas à venir pour participer au moment où ça sera commencé. On a aussi besoin de gens d'ici là pour faire du terrassement, stocker des cailloux et faire des œufs de peinture. C'est le ciel. Tu casses-toi, toi. C'est Jean, pas le nom, on est là. Bon, mais les gens, ils n'étaient pas du tout au courant de ça. Oh, Tchétan, ta mère a fait des crêpes. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Bonjour quand même. Au revoir. Je ne suis pas contre le fait d'être légalisé. Si mes pratiques, qui étaient illégales hier, demain, elles sont reconnues par le droit comme étant légales finalement, bah, tant mieux en fait, je me dirais, ça aura finalement changé d'une certaine façon le droit. C'est pas forcément moi qui aurais changé. Concrètement, nous, avec ce qu'on a eu, avec notre culture, notre organisation et tout ça, on peut arriver à faire ça. Mais il y a plein d'autres gens qui sont pas si loin que ça, qui vont pas se faire légaliser, ils vont juste se faire virer, quoi. Et puis voilà, et le campement de Rome, on va les virer, quoi. Et en fait, pourquoi le campement de Rome, on les vire alors qu'en fait, ils ont... Tu vois ? Pourquoi on fait un bail légal aux petits blancs qui font de l'agriculture, mais on va pas faire un bail légal au campement de Rome ou au truc, machin, non, on va faire des centres de rétention. Pour moi, tu vois, la victoire de l'aéroport, c'est pour ça que c'est une super grosse victoire, parce que il y a 2000 hectares, tu vois, tu parlais des forêts qui disparaissent, ça, ben là, en fait, il y a 2000 hectares de terre bocagère humide qui est sauvée, quoi. Oui, mais enfin, si ça part juste en... En gros, truc agricole pour juste faire du bio et puis faire tourner l'économie locale du coin. On fera juste tourner l'économie, en fait. Bah franchement, et c'est tout. Ce sera déjà une victoire. De faire tourner l'économie. Écoute, c'est pas mal, hein, c'est sympa, mais bon, pour moi... Bon, après, moi, je porte d'autres trucs aussi. Hein. Je porte aussi l'agriculture communiste, le soutien à plein de luttes, le fait que la ZAD, ce soit une base avant ou arrière, je sais pas comment dire, mais de lutte en général. Et c'est...
Pour moi, c'est pour ça que la ZAD, elle s'inscrit dans un projet qu'on pourrait dire révolutionnaire. Même si ce mot-là, c'est un grand mot. Pas si on voit la révolution de la même manière. Je crois pas qu'ils ont le droit de tuer pour construire les gens. L'aéroport. Non, ils ont pas le droit de tuer en fait, les gens. C'est... Non, ils ont pas le droit, mais ça peut arriver par accident tellement que c'est violent en fait. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ce dont je voulais parler aussi, c'était par rapport aux manifestations, c'est qu'en fait, s'il y avait encore une offensive, par exemple, par des gendarmes, ça aurait été d'essayer, au lieu d'être agressif et de montrer la violence en lançant des projectiles sur des policiers, d'essayer d'être non violent, juste une fois pour essayer. Peut-être que ça va les faire réfléchir. Et ce serait bien aussi de... Ça changerait de montrer une image tout le temps, de montrer une image de violence et d'agressivité. Parce que c'est pour se défendre, non ? C'est pour se défendre. C'est sûr que si au bout d'un moment il tape de trop, on va se défendre. Mais c'est bien d'essayer, tu vois, parce que on n'est pas tout le temps obligé d'être dans la violence. Oui, mais et que ça peut faire peur à des gens de voir tout le temps des images qui sont projetées. On est tout le temps en cagoulé avec ou en train de lancer des choses, d'être faire peur. Il y a tout le temps plein de choses qui se passent, qu'elles soient non violentes ou moins non violentes. Il y a tout le temps plein de choses qui se passent et les images qu'on voit, c'est souvent toujours, c'est quasiment toujours celles des moments de violence et trop peu souvent c'est la violence qui vient de la police ou de l'État, mais plus souvent la violence des personnes qui sont en lutte. C'est souvent ces images là qu'on nous montre et justement peut-être que faudrait aussi voir à pouvoir montrer d'autres images. Oui. Et pour ça peut-être réussir à se passer des médias. Moi quelque part je me sens bien ici parce que je viens de l'Afrique quoi. En Afrique on se salit. Tu parles ouais. Ton voisin comme tu veux. Mmh. Et ici, quand je passe, il y a tout le temps des gens. Bonjour. Vous mmh. dites bonjour, mais en ville, personne. Chacun dans son sacré, ils sont pressés. Ils pensent que le monde ne va pas finir, en fait. D'ailleurs, les gens, ça ne se limite pas qu'à la ZAD, parce que le mouvement qui est à Nantes, les gens de la ZAD se sont levés pour les soutenir. Donc c'est hyper chouette, quoi. Mais parce qu'en fait, le fait d'avoir prise sur là où tu vis, c'est pas que t'occuper de toi, quoi. C'est aussi pouvoir réfléchir ensemble et agir ensemble sur dans des cadres de lutte, de choses que tu veux soutenir ou essayer de changer dans le monde, enfin, et que ça se limite pas à juste ta porte ou ton territoire. Une société très très fermée, en fait. Même les personnes âgées sont isolées. Hein, ça fragilise chacun de nous. Et si on se sent entouré, tout de suite, ça répond à plein de questions. On est des êtres sociaux, on a besoin de regarder des gens. Que ce soit un regard, qu'en plus, qu'il y a des gens qui ne sont pas payés pour nous regarder. Et moi, je pense que la communauté, c'est la chose la plus forte qui a la force d'être une alternative à l'individualisme. Pour moi, c'est le modèle, enfin, c'est un modèle qui ne définit rien du tout. Hein, des communautés comme ci, des communautés comme ça. Quand ils sont là en train de dire le communautarisme et tout. Ben, ils ont bien compris que la communauté, ça peut être quelque chose qui peut être fort. Et du coup, ils l'attaquent forcément. Les élites. Et en plus, c'est ceux qui ont le pouvoir, eux, ils ont bien compris ça, parce que la communauté de la haute bourgeoisie, elle a une idée claire, elle est forte, elle s'entretient elle-même, et elle domine le monde. Quoi. Ça m'arrive de lire le Zad News, il y a quand même des vrais... discussion sur les modèles de société qui peuvent être développés ici. Et je trouve que c'est quelque chose d'important et que fait finalement pas le pouvoir en place. Il serait inventé de temps en temps, mais très lentement. Quelque part, il serait même salutaire que ce genre d'endroit se développe un peu partout.
Moi, il y a eu toute une période avec énormément de tensions autour de Sentazad et de reproches et tout ça sur les projets agricoles, ils prennent toute la place, nanana. Il y a aussi un truc de, je crois, de parler en fait de ce que tu fais, en fait, de se dire à un moment, c'est politique. J'ai ce côté, l'autre côté de me dire, mais en fait, c'est super dommage que tous les autres, ils parlent pas de ce qu'ils foutent, quoi. Ou de ce qu'ils foutent pas, tu vois, parce qu'en vrai, bah oui, moi je trouve que c'est important d'avoir des zones où tu peux souffler, t'es pas obligé de te lever le matin à 7. Moi ça me va, hein, de me lever le matin à 7h du tas, mais d'avoir un emploi du temps jusque 10h le soir. Je kiffe, quoi, mais en fait, si des gens, ils veulent juste se poser pendant 2 ans, là, voire arrêter le salariat et juste, tu sais, respirer, mais très bien, en fait, je veux que ça serve à ça aussi, cette zone, et je veux qu'on puisse le porter. Mais pour pouvoir le porter, eh ben, faut qu'il y ait des paroles dessus. Et moi, je vais pas les mettre, parce que c'est pas ma vie, en fait. Ouais, mon projet, en ce moment, c'est de construire une cabane avec des piquets en châtaignier et des pavés de la ville de Nantes. Et de montrer aux gens à l'Est qu'il est possible de faire des cabanes sans palette et sans bâche. Ça va être compliqué, mais... Sans bâche. Ouais, j'aimerais beaucoup faire un toit, genre en ardoise, en chaume, n'importe quoi, mais pas de bâche. C'est sûr que communiquer là-dessus, ben, je veux bien en parler, mais genre, je ne vois pas écrire un truc là-dessus non plus et dire aux gens, hey, regardez... Je vis ma vie. Ça me paraît normal de vivre sa vie, quoi. Ça me paraît normal qu'une vie soit politisée aussi. Pour l'organisation future, on va... je ne vois pas, par exemple, dans un truc très carré, l'État français dire je ne vais pas construire l'aéroport et puis laisser... et puis c'est plus son problème. De dire ce que l'on fait, on sera obligé. Mais tous les gens, quand on parlait des reportages qui sont faits sur nous... par des médias, en fait, cela je pourrais jamais les toucher par en leur disant je fais ma cabane. Mais le truc, c'est pas forcément je fais ma cabane et je la fais comme ça, c'est parce que dans les trucs agricoles, on n'a pas communiqué en disant ouais, tiens, nous on fait un champ de blé, blablabla, quoi, mais plus sur la dynamique globale. Et moi, je trouve qu'il y a une dynamique globale sur l'habitation. En vrai, c'est pas normal. En vrai, c'est pas normal. Un endroit où tu peux venir, tu peux t'installer, ouais. Tu peux construire un truc, tu peux reprendre une cabane. On ne va pas te demander ta putain de carte d'identité. On ne va pas te demander tes revenus. On ne va pas te demander de garant. Sûr, on ne va pas te demander de payer. Le seul truc qu'on te demande, tu vois, c'est de pas foutre de merde, de t'installer dans un endroit qui marche pour les autres, de causer avec tes voisins, enfin, d'être dans un truc juste simplement de. Ben, viens te poser, c'est bienvenu, juste tu fais au mieux pour pas que ça fasse trop chier trop de monde, quoi. Mm-hmm. Et du coup, c'est pareil pour moi, sur le truc agricole, il y a un truc qui est incroyable, c'est pas de cultiver des trucs, en fait, c'est de pouvoir être dans un mode que plein de gens ils apprennent, que plein de gens ils s'y mettent, et d'être dans un truc de partage assez inconditionnel. Le non-marché, c'est assez inconditionnel, les endroits de partage, enfin, ouais. Comme ça, il y en a aussi assez peu, quoi, dans ce monde-là, quoi. J'ai pas l'eau, pas l'électricité, je le vis très bien. Et alors, bah oui, j'ai les mains sales parce que je suis sorti du chantier et que je suis venu directement ici. Et puis je vais passer chez les voisins qui sont à 300 mètres et qui ont de l'eau pour prendre ma douche ce soir, en fait. Ça le fait, mais ça prend du temps. Et je pense, c'est un confort auquel je suis attaché d'avoir du gaz pour cuisiner, par exemple. Même si quand on s'est installé ici, bah, on faisait tout au rocket stove. Mais c'est vrai que ça le faisait, je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est vraiment important. C'est pas du confort inutile, quoi. Si ça nous dégage du temps pour avoir une stratégie médiatique, pour... c'est dommage que j'ai dit ça. J'étais en train d'être d'accord avec toi sur qu'effectivement, ce temps, il est précieux. Mmh. Mais ce temps, c'est pas pour moi, c'est que quand j'ai envie de me dégager ce temps et que je suis contente qu'on ait du gaz pour le café, c'est pas pour une stratégie médiatique, c'est pour avoir du temps pour faire des choses concrètes. Mais oui. Pour aller travailler, d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est aussi pour se lutter, pour lutter contre ce monde, et l'État et tout, quoi. Enfin, c'est aussi parce qu'on est en lutte, on a besoin de temps aussi pour la lutte, quoi. Mmh. Cette idée de vivre à la campagne, je crois on a du mal à comprendre comment c'est déjà un luxe de se projeter dans vivre à la campagne et avoir accès à ces codes-là, la question du maraîchage, de ouais, toute une espèce de vie qui rentre bien maintenant dans une logique néo-rurale, on va tous aller vivre en éco-construction, chier dans des copeaux. Je sais que moi, une fois, on m'a dit « Mais tu critiques tout le temps, mais qu'est-ce que tu voudrais à la place ?» Et je suis assez contente de pas savoir ce que je voudrais à la place. Si moi, j'avais imaginé toute seule ce que je voudrais comme projet de société, bah c'est hyper glauque. Le projet de société dont je rêve, c'est un projet de société que je peux pas imaginer parce qu'on l'aurait créé à plusieurs. Parce qu'il serait le fruit de. Il serait l'addition de tous nos vécus que j'ai pas, de tous nos besoins que je connais pas. Moi, je fais partie des gens chanceux sur cette planète. Du coup, ben.
Je peux pas savoir qu'est-ce que ça serait qui bien, qui soit bien, qui change. Parce que je vis pas de racisme, je vis pas dans un pays dont la politique est complètement manipulée par une puissance occidentale et où on peut jamais espérer de changement. Je vis pas mère de famille avec des gosses dont j'ai peur qu'ils mangent pas le soir. Enfin, quand on est dans le haut du panier, peut-être la question elle est plus tellement de rêver soi, mais plutôt apprendre à rêver avec les autres, donc apprendre à les écouter. On voit bien que le capitalisme va dans le mur, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et bah, si vous voulez y aller, allez-y, mais laissez ceux et celles qui ont envie d'essayer autre chose de le faire. La solidarité, elle est criminalisée, donc les curseurs des valeurs ont terriblement bougé, et en fait, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas, parce qu'on dira dans quelques années, voilà, on savait, et en fait, on sait. J'ai envie de dire, on verra, pour moi, la ZAD, elle existe, c'est une idée, hein, au final, si... Elle existe ici, ailleurs, c'est une constellation. Le gouvernement ne pourra jamais enlever ce qui s'est fait, ce qui s'est créé, ce qui s'est pensé, ce qui s'est imaginé, ce qui s'est organisé ici. Et tout ce qui se passera après. Ouais, cette envie un peu désespérée, mais quand même extrêmement présente de ne pas lâcher l'affaire, quoi. On verra. Mais après aussi... Après, si on change trop la ZAD, après, ça deviendra... Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien comme tant qu'elle est. Après, Tu écrases le fil. Tu écrases le fil.